Nang's Reborn. Dans la vidéo précédente, nous vous avons parlé du prix à payer pour la beauté. Et on a parlé des fossiles. Là, dans cette vidéo, nous allons vous parler maintenant des faux ongles compromis. Ouais, regardez mes ongles. La charité bien ordonnée commence par soi. Regardez. Ça, ce sont des ongles au Rich G. Ça vient de Dieu. Ouais. C'est ce que Dieu nous a donné. Bonjour les frères et sœurs de l'Église Suborne. Nous sommes là pour vous montrer des choses hors du commun que vous ignorez sur les faux ongles. Ha! Aujourd'hui, mettre des faux ongles sur ces ongles de Dieu, c'est prendre un très grand risque. Mais en général, personne n'en parle. Personne n'ose vous en parler. Vous risquez de voir des choses vous choquer ici, mais c'est quand même ça le prix à payer pour la beauté. Envoie ce studio. C'est parti. Bienvenue. Là, nous sommes au studio pour voir des choses. Ce que vous allez voir à l'écran ici, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Vraiment, ça donne froid dans le dos. Regardez à l'écran. Waouh! On a l'impression de voir un demi-dieu. Tellement, elle a une beauté terrible. Mais, ne vous fiez pas aux apparences. Là, on peut voir une femme, une jeune fille, qui est en train de lutter avec la casserole. En fait, elle est en cuisine, elle essaie de préparer, mais c'est avec beaucoup de difficultés. À cause de quoi? Suivez la flèche. À cause de ça. Ouais. Ses faux ongles. Ouais. Les ongles qu'elle a positionnés sur ses doigts font un obstacle à son épanouissement en cuisine. Jesus Christ. Ha! Et c'est ce que nous allons découvrir ici. Ça. Ça, c'est encore rien. Parce que ce que nous allons voir par la suite, vraiment, ça va vous étonner. Mes frères et sœurs, que feriez-vous avec de faux ongles? Que feriez-vous si vous avez des faux, des ongles très longs? Ouais, des ongles vraiment très, très, très longs. Est-ce que ce serait facile pour vous de préparer ou de faire des choses du genre se gratter un peu? Parce que, ouais, pour pouvoir se gratter un peu, c'est facile, mais qu'il s'agit de faire les choses assez compliquées, ça devient vraiment bizarre. Mais commençons par le commencement. Regardez ça. Ça, ce sont des faux ongles. Ne les trouvez-vous pas jolis? Mais bien sûr que oui, c'est beau. Qui peut dire que ça, c'est vilain? Personne ne peut dire que c'est vilain. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très, 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 très joli. Et waouh, ça attire beaucoup de femmes. Beaucoup de filles aussi. Et elles toutes, elles aimeraient vraiment être d'une beauté extrême, extraordinaire, voire pas possible. Ouais, ça, c'est la beauté des sirènes. Et quand on voit ça, on se dit, mais waouh, mais c'est beau, mais c'est presque un miracle. Dieu, tu es joli. Mais faites attention, c'est artificiel. C'est pourquoi on l'appelle le faux ongle. Yes. Et là, nous sommes face à des faux ongles très, très, très longs. Ouais, très, 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 très longs. Waouh, regardez. C'est vraiment long. Hein? C'est plus long que long. Une fille qui a ça dans sa main. Comment va-t-elle faire pour vous caresser la nuit? C'est même ça aussi le prix à payer pour avoir ça. Jésus! Waouh! Et comme vous le voyez, de plus en plus de femmes, ça donne à cette pratique. C'est devenu comme un rituel maintenant pour elles. Il faut absolument qu'elles aient ça sur leurs doigts, tranquille. Et voilà quoi. Elles peuvent changer la couleur de leurs ongles. Comme vous le voyez ici, Cardi B, avec ses ongles qui sont jaunes. Ouais, non. Ces hommes sont jaunes. Et elle nous les présente. Elle nous dit, oh, regardez, je vous salue. Voici mes ongles. C'est ça la mode.
Suivez-moi, ouais, suivez ce que je suis en train de faire. Mettez des faux ongles aussi sur vos doigts, ouais. Mettez de faux ongles, et non seulement pas de faux ongles seulement, mais de longs faux ongles. Quand tu dis, il n'est pas sur le monde, il est sur le monde, il n'est pas parce que c'est de la blague. Mais là, regardez. Waouh. Et ne la trouvez-vous pas belle? Je pense qu'elle est belle, hein? Waouh. Et femme d'aujourd'hui. Artificial. Artificial. Tout est artificiel. Make-up. Chut. Ouais. Vous êtes belle. Ouais, il faut reconnaître que vous êtes vraiment très très belle. Mais ce n'est pas une beauté naturelle tout de même. Et quand on parle de faux ongles, vous voyez que souvent les femmes elles ont du mal à gérer leurs faux ongles. Ça ressemble de plus en plus à des âmes de guerre. Vous ne l'avez pas remarqué. On peut bien remarquer que ces faux ongles ressemblent de plus en plus à des âmes de guerre. Ouais. C'est comme si elle allait au combat. Elle dit à tout le monde, hey, méfiez-vous de moi, ou même moi, mes ongles. Je suis prête pour vous aujourd'hui là. Si vous vous amusez, quoi. Je vais vous montrer ce que vous n'avez jamais vu de votre vie. Vous voyez, mais elle est belle quand même, hein? Beaucoup de couleurs, les cheveux, vraiment, c'est presque un ange de Dieu, c'est presque un ange de lumière. Regardez une telle beauté, mes frères, une telle beauté. Est-ce que vous l'approuvez? Approuvez-vous cette beauté? Vraiment, difficile à dire. Si vous voulez avoir une telle beauté, arrêtez de pécher. Préparez-vous à aller au ciel, au paradis, chez Dieu. Là-bas, vous trouverez mieux que ça. Ouais, parce que nous aurons le corps des anges. Et tout ce que vous voyez juste ici, ça, ce n'est pas sa beauté. Ce n'est pas sa beauté. On peut dire que c'est la beauté d'une sirène ou d'un esprit des eaux que se trouve sur elle. En commençant par ses cheveux. En passant par ses cils, regardez, on a parlé de faux cils récemment. En descendant un peu jusqu'à ses ongles, même ses boucles d'oreilles. Ouais, voici comment les gens portent des faux dieux sur eux. C'est ce qu'on appelle chez nous les dieux étrangers. Ça l'est simple. Et le diable utilise les superstars pour présenter ses œuvres. Et vous allez voir des usines, des magasins, des entreprises qu'on s'est créées autour de tous ces objets là. Aïe aïe aïe. Selon on parle des entreprises ou des usines, des sirènes. Mais je ne suis pas là pour parler de ça d'abord. Tu veux monter un peu le prix à payer quand on porte de tels ongles. Ouais. C'est-à-dire les sacrifices à faire. C'est-à-dire ce que les femmes ont dû la nuit. Ou bien chez elles à la maison, même dans la cuisine, quand vous ne pouvez pas les voir. Les stars nous montrent ça comme ça tout le temps. Mais ne vous montre pas ce qui se cache derrière la caméra, c'est-à-dire les conséquences. C'est là que nous allons aller voir les conséquences de ces choses. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et ceux qui veulent nous soutenir, dans la description se trouvent nos informations. Maintenant, soyez très 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 prêts. Regardez ça. Voici là les conséquences de la chose. En sens, vous vous en abstenir parce que c'est là que tout commence. Quand ça tourne mal, voici ce que ça donne. La plupart des gens ne vont jamais vous présenter ça. Mais aujourd'hui, si sur ce bon, grâce à Dieu, nous pouvons voir toutes ces choses qui sont cachées là derrière. Si ça vous arrive, que feriez-vous? Elle a porté de faux ongles tout le temps. Mais regardez apparemment ce que ça donnait plus tard. Est-ce une allergie? Mais comment on peut arriver jusqu'à ce point-là? Seigneur Jésus-Christ, si Dieu a créé vos ongles comme ça, c'est pas pour que vous en ajoutiez quelque chose. Ce que vous allez ajouter là-dessus, ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Ça, je vous le dis en même temps. Vous pouvez me croire comme ne pas me croire. Je vous dis direct. Si vous voulez aimer moi, si vous voulez ne m'aimez pas. Tout ce qui est faux, là, je vous dis, écoutez-moi bien. Tout ce qui est faux, vraiment faux, vous savez que c'est faux. Et vous mettez ça sur vous. Ça vient du diable. Ouais. Tout ce qui est faux vient du diable. Faux cheveux. Faux seins. Faux cils. Fausses fesses. Quoi encore? Je dis bien, tout ce qui est faux
et toutes les femmes sont censées le savoir. Le diable est tenté de pousser les femmes à énerver leur Dieu. Dieu vous a créé belle naturellement, vous voulez acheter quelque chose là-dessus. Si Dieu a créé vos hommes comme ça, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Le corps, c'est tout un système. Mais si tu mets les trucs pareils, comment est-ce que ton doigt va respirer? Les zones que Dieu t'a données, tu les as réunies pour ajouter ce que tu veux. Maintenant, regardez quand ça tourne mal. Regardez quand ça tourne mal. Le diable a créé cela. Oui, des faux hommes. Et il les a fait connaître au travers de qui? Des superstars. Oui. Et toutes les femmes, tous les fans ont commencé à copier tout et tout et tout et tout et tout. Et tout. Même des entreprises ont été créées autour de ça. Mais quand ça tourne mal, est-ce que ces entreprises-là viennent vous en parler, viennent vous dire ce que ça fait? Regardez, le saviez-vous? Le saviez-vous? C'est quand même un très grand risque qu'on prend en utilisant les choses du diable. Oui, surtout en utilisant tout ce qui est faux. Faux sein, fausse fesse. Tout ce qui est faux en général. Vraiment. Qui va vous montrer ça? Qui va vous parler de ça? Qui va vous parler de ça? La seule chose que vous pouvez voir chez vous, c'est que vous avez vraiment des problèmes. Hein? Ouais, des problèmes que vous avez vraiment constatés ou que vous allez vous-même constater. Surtout pour les femmes qui vont en cuisine. Regardez ça. Regardez ça. Voici une fille qui est dans une cuisine. Elle était essayée de préparer, je ne sais pas quoi là. Mais elle est dans les problèmes à cause de ses faux ongles. De ses faux. Non seulement ses faux et ses longs faux ongles. Ouais non. Elle ne sait même pas comment elle va attraper le truc là même. Comment ça s'appelle là, le truc qu'elle a tapé là? C'est du placali en train de faire ou quoi? Ah, regardez. Elle est en train de souffrir dans la cuisine à cause de ses. Ces longs faux ongles, regardez comment ces longs faux ongles sont ici. Regardez, même pour attraper le truc là, c'est ça. Elle ne peut pas fermer sa main comme ça, fermer ses doigts comme ça. Regardez, comme quoi Dieu est intelligent, Dieu est très intelligent. Regardez, mes ongles sont naturels. Je les ai coupés. Avec ça, je peux fermer, mettre mes doigts comme ça, bien fermé. Mais faut mieux coup de pompe pour donner à ça. Mais avec ça, vous ne pouvez pas. Ça va être difficile. On a l'impression que c'est comme ceci, c'était une arme. Ouais. Et dans un témoignage puissant que nous avons reçu ici en ce moment, il y a une femme qui nous a expliqué qu'il y a un démon là. Lui là, il a de faux ongles. Ouais, cette sirène là, elle utilise ses longues faux ongles là pour pouvoir poignarder ses victimes. C'est-à-dire, elle, quand elle vient dans ce monde et qu'elle attrape un homme qu'elle veut offrir un sacrifice, elle, ses ongles là, naturellement comme ça, hein, ses ongles là se mettent à pousser. Ça se pousse à devenir très long, comme ce que vous êtes en train de voir. Et que se passe-t-il? Ce qui se passe, elle peut l'utiliser comme une arme. Poignarder sa victime, poignarder, mettre ça dans le cœur là-bas, faire sortir le cœur. Souvent, vous verrez des films où on vous montre ça. Ça veut dire que toutes les femmes qui portent de faux ongles et de longs faux ongles, là, elles ont été d'imiter cette femme-là, cette sorcière-là, cette criminelle. C'est ce que ça dit. Parce que Dieu ne peut pas vous encourager à faire des trucs pareils. Au pire des cas, si vous voulez avoir de longs ongles, là, laissez vos ongles naturels pousser. C'est tout. Sinon, coupez-les. Parce que à quoi ça sert? À quoi ça sert? Parfois, pour les choses inutiles, les gens se retrouvent en enfer. Ouais. Les gens, eux, mêmes prennent à Jésus à la sœur de leur fond pour aller acheter des problèmes. Maintenant, regardez. Elle a du mal à préparer à la maison. Son mari va dire, oh, j'ai fait ma chérie, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine là-bas? Oh mon Dieu. Regardez. Vraiment. Et comment elle fait pour aller aux toilettes maintenant? Même comment fait-elle pour se laver et tout ça? Et si elle se trompe la nuit et elle s'y pique?
Et si elle cachait quand elle ses yeux, qu'elle veut essayer. Non! Non! Arrêtez-moi ça! Soyez naturel, tel que Dieu vous a créé. Ouais, personne ne vient vous parler de ça. Mais, oh Dieu, Dieu m'envoie vous parler. Ah! Voici comment les femmes sont en train de régner Dieu. Ouais, elle ne se trouve plus bas, elle ne se trouve plus belle. Récemment, j'écoutais un homme qui parlait à une femme qui a un teint noir. Et il lui disait carrément que les femmes qui ont un teint noir, ils ne les trouvent pas belles et qu'elles doivent aller se laver. Lui, il trouve les femmes qui sont blanches ou bien claires, très jolies par rapport aux femmes qui ont un teint noir. Hey! Attendez, je vais vous montrer un truc. Parce que souvent, je ne comprends pas les gens. Et regardez ça là. Ça, regardez la manette. Elle a quelle couleur? Elle a la couleur noire, non? Vous voyez ses fonctionnalités, ses boutons? Vous voyez tous ces boutons, non? Vous voyez tous ces boutons? Voilà. Maintenant, regardez cette manette, la manette-ci. Regardez. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle est belle, n'est-ce pas, non? Elle aussi, les boutons. Ok. Maintenant, dites-moi, quelle est la différence? Quelle est la différence, ça? Et ça? C'est juste la couleur, non? On dit que oh, ça, c'est noir. Que vous préférez l'autre. Mais au fond, mais en clair, là. Qu'est-ce que cette manette-là ne peut pas faire par rapport à l'autre, là? Hein? Par rapport à ça. Qu'est-ce que cette manette là a de moins que l'autre. Les deux ont la même fonctionnalité. C'est-à-dire les deux ont les mêmes fonctionnalités. Il n'y a rien qui change, juste l'apparence. Ce que vous regardez comme la couleur, le teint noir de la femme, le teint, je ne sais même pas quoi, clair. Ce sont des histoires en vrai. Hein? En vrai, ce sont des histoires. Sinon, en clair, une femme, c'est une femme. Une femme, c'est une femme. La beauté même est vaine. Souvent, on nous dit même que la beauté est vaine. Que la beauté, ça finit par disparaître. Si tu comptes sur la beauté, tu seras dessus. Tu seras dessus. Va ouvrir les tombes des gens qui sont morts. Tu vas voir ce qu'il y a là-dedans. Tu vas voir si c'était clair ou bien c'était orange ou bien c'est marron. Mais tu seras dessus. C'est quand les gens parlent ainsi, les filles, elles se disent hey, pourquoi est-ce que je suis née noire? Pourquoi est-ce que mon père m'a. Oh non, ma maman, pourquoi est-ce que tu es noire? Il fallait être clair. Pourquoi tu n'es pas née blanche? Les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Je vous le dis, les gens sont insatisfaits. L'homme est un éternel insatisfait. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Si vous voulez suivre les gens, les regards des gens, ce que les gens pensent de vous, vraiment. Vous risquez de vous perdre. Vous allez vous perdre. Ah. Faites attention à vous. Faites le bon choix. Vraiment, restez naturel. Si vous n'avez pas changé la couleur de votre peau, moi, je vous encourage à être naturel. Et c'est ce qui est juste. Imaginez, moi, un garçon. Et regardez, je vais mettre des longues ongles sur mes doigts. Quelle serait votre réaction? Vous imaginez si la femme de votre pasteur fait ça. Quelle serait votre réaction? Vous allez voir là, les filles vont commencer à parler. Ah, toi, la femme de pasteur, là, t'es une femme de pasteur et puis tu fais yé yé. Genre, t'es une femme de pasteur, tu vois comme si t'es une femme de bois de nuit. Ou bien t'es une femme de belle vie, ou bien une femme de une fille de joie. Les gens vont critiquer, ils vont parler. Ils vont même dire que toi aussi, femme de pasteur, là, toi si tu fais ça. Si vous n'êtes pas sain, ne jugez pas les gens. Laissez les gens tranquilles, je suis là chez eux. Merci de regarder cette vidéo, que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Et je vous demande de vous abonner, activer la cloche, c'est pas encore fait. Si vous avez aimé, vous êtes d'accord un peu, même si ça vous choque, laissez tous un j'aime et je vais voir combien de personnes ont compris quand même. Le message divin. Ouais, le message du corps. Ok, soyez pas marchant. C'est parti.
Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous de regarder cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nuance Urbaine et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez aller sur une page web où vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc-notes où se trouvent nos informations bancaires. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Bonne soirée à vous. Names Reborn.